une de l'actualité internationale également, le coup d'envoi des travaux du Forum mondial sur la migration et le développement à Marrakech. Honorer les engagements internationaux pour libérer le potentiel de tous les migrants pour le développement, c'est le leitmotiv de cette 11e édition, précédée hier par une rencontre consacrée aux acteurs de la société civile, une rencontre qui a débouché sur des recommandations, désormais au cœur de ce forum stratégique. L'événement scelle, je vous le rappelle, la coprésidence par le Maroc et l'Allemagne du forum, auquel participent de hauts responsables des gouvernements marocains et allemands, ainsi que de ministres de toutes les régions du monde, entre autres. Plusieurs thématiques y seront examinées, celles notamment de tirer parti du potentiel que représentent les migrants en vue de renforcer la résilience, ou encore celle de la mobilité sud-sud. Cette coprésidence germano-marocaine a été axée sur la contribution du forum au processus mené par l'ONU. Et pour en savoir plus sur les autres objectifs de ce forum, nous rejoignons tout de suite Melinda Mrini, qui est notre envoyée spéciale à Marrakech. Melinda, bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors, vous avez donc participé à cette première journée du 11e forum. Dites-nous quels sont les objectifs, les enjeux majeurs de ce forum. Alors oui Nadia, donc un pays du Nord et un pays du Sud aux commandes des discussions, hein, vous l'avez dit, le Maroc et l'Allemagne assurent la coprésidence de la 11e édition du Forum international sur la migration et le développement. Un forum qui se veut avant tout être une plateforme d'échange et de réflexion et qui intervient juste avant la conférence internationale sur la migration qui aura lieu le 10 et 11 décembre prochain ici même à Marrakech, et qui devrait donc aboutir par l'adoption par un certain nombre d'États du pacte mondial pour la migration. Alors avec nous, pour en parler, El Habib Nadir, co-président du forum, secrétaire général au sein du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Alors merci, monsieur, d'accepter de répondre aux questions de Médias TV. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous vos auditeurs. Téléspectateurs, pour le coup, mais aussi les auditeurs de Médias Radio. Alors, le 10e forum s'est tenu l'an passé à Berlin, donc cette année il se tient à Marrakech. Ce n'est pas un hasard finalement que le Maroc et l'Allemagne assurent cette coprésidence, lorsque l'on sait que les deux pays justement ont adopté ces dernières années une politique migratoire basée sur une approche humaniste, positive et solidaire. Alors, est-ce que justement le Maroc entend partager cette expérience, son expérience en la matière, ici même au forum? Bien sûr, le Maroc partagera son expérience et il a déjà partagé son expérience avec courage. Le Maroc s'est lancé en 2013 sous l'impulsion de Sa Majesté dans une politique migratoire unique dans son genre dans la région et qui est aujourd'hui considérée comme un exemple à suivre. Donc nous allons partager notre expérience, que ce soit de la part de la société civile marocaine ou des représentants des gouvernements qui travaillent sur des aspects liés à l'intégration des migrants au Maroc. Nous allons effectivement partager cette expérience qui honore le Maroc et les Marocains puisqu'elle est unique dans la région. Sachant que nous célébrons le 5e anniversaire. Voilà, donc nous sommes au cinquième anniversaire de cette politique migratoire qui commence à donner d'excellents résultats, puisqu'aujourd'hui nous avons de la place dans les écoles marocaines à tous les enfants issus de la migration. Les migrants ont accès au système de soins dans les mêmes conditions que les Marocains. Donc tout ce qui est accès aux services de base, il est garanti pour tous les migrants qui sont installés au Maroc. Et n'oublions pas l'opération de régularisation qui est une opération courageuse de la part d'un pays du Sud. Donc le Maroc l'a fait en 2014 et 2017. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 50 000 régularisés. Alors pour revenir au forum, quel rôle justement peut jouer aujourd'hui le Forum international sur la migration et le développement avant l'adoption du pacte mondial de la migration et puis même pour sa mise en œuvre?
la coprésidence du Maroc et de l'Allemagne de ce forum est tombée à un moment où la communauté internationale, après la déclaration de New York de 2016, puisque cette coprésidence a commencé en 2017, donc cette coprésidence avait pour objectif principal d'accompagner d'abord la conception et l'élaboration de ce pacte mondial, donc toutes nos réflexions et nos travaux ont été focalisés la première année sur la contribution du forum au pacte mondial. Nous avons produit un rapport qui a été soumis au secrétaire général des Nations Unies. Ensuite, nous avons commencé déjà à partir de 2018 à réfléchir sur la mise en œuvre de ce pacte mondial en travaillant sur des questions concrètes telles que, par exemple, cette question d'intégration, telles que les enfants dans le contexte migratoire, telles que les travailleurs migrants, telles que la migration et le développement dans l'agenda 2030. Donc nous avons déjà anticipé la réflexion sur la mise en œuvre de ce pacte mondial. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces travaux-là à l'intérieur des forums ont fait que aujourd'hui, il est cité dans le document du pacte mondial comme l'un des espaces qui peuvent servir à la mise en œuvre et au suivi de l'implémentation du pacte mondial. Merci Habib Nadir d'avoir répondu à nos questions en direct ici depuis le Forum international sur la migration et le développement. Voilà Nadia ce que nous pouvions dire ce soir à l'ouverture du forum, un forum qui terminera ce vendredi.